Bonjour, c'est Mogi. Salut, c'est l'aspirateur. Rebonjour, c'est LDD. Pour notre seconde partie de la vidéo de Silent Hill 3, un jeu qu'on adore avec LDD et pas, pas l'aspi. C'est méchant, moi j'aime beaucoup aussi. Bah t'aimes bien me regarder. Oui, parce que quand j'y joue, je me fais pipi dessus. Donc voilà, donc on était en train de parler de Ever, tout ça, des autres personnages. Donc voilà, au niveau du scénario, ça restait très bon. C'était absolument pas orienté de la même façon que dans le 2. Dans le 2, le scénario était plus psychologique, il y avait plusieurs niveaux de lecture et tout. Là, ça revient à un scénario, je vais dire entre guillemets, plus conventionnel. Même si le scénario reste quand même bien tordu et super riche. Là, on revient plus à un trip un peu plus basé avec. On va dire comme le 1, en mieux. Comme le 1, mais en plus recherché. Parce que finalement, quand on rejoue au 1, tu te rends compte que le scénario, il est bon, il est vraiment bon, mais il est plus esquissé, tu vois, on va dire. Alors que là, dans le 3, t'as quand même un vrai scénario qui se dessine et on en apprend au fur et à mesure plus sur les personnages, sur leur motivation et sur l'histoire en général de Silent Hill. Oui, ça d'une part, même s'il est encore finalement le gros point fort du jeu. Au-delà même du scénario, c'est encore plus l'ambiance et l'atmosphère. Et la mise en scène. La mise en scène de certains passages particulièrement glauques. On se souvient, notamment on l'a vu au début et on le reverra plus tard dans le jeu, le fameux passage de la fête foraine, mais une fête foraine bien glauque avec les mascottes et l'espèce de lapin rose ensanglanté. Qu'on retrouve dans certains épisodes et qu'on retrouvera plus tard dans le Silent Hill Homecoming. Donc je pense que si vous avez vu notre test, on le voit de toute façon, le petit lapin, c'est la mascotte de la fête foraine. Et cette... Et ce parc d'attractions qu'on voyait, qu'on apercevait dans Silent Hill premier du nom. Ouais, et oui. Et là en plus, on remarque aussi, tant qu'on les voit là à l'écran, les monstres, par rapport à Silent Hill 2, perdent en fait leur forme humaine et très psychologique pour retrouver une forme un peu plus monstrueuse et plus bestiale. D'ailleurs, l'une des premières images qu'on voyait du jeu, même si ce n'est la première image in-game du jeu, on voyait Aether. Donc déjà, ce qui étonnait, c'est que non, on joue une héroïne, c'est marrant. Enfin non, mais ça paraissait étonnant après avoir joué deux héros adultes. Tout ça. Et on voyait aussi un monstre énorme, ça, l'espèce de monstre là qu'on voyait justement juste avant. C'est genre avec leurs deux punching balls chelou, enfin killer save de jambes et de bras, et moi je crois ça immonde, je me suis dit, ils sont chelous, et après je me suis dit, ah, ça va être bien, juste parce qu'ils sont tellement tordus que ça me donne envie de jouer, et puis c'était aussi un Silent Hill, donc c'était en général un gage de qualité. Avec des effets de lumière de bâtard, qu'on peut le voir. Les effets de lumière sont ultra riches, et sont parfois même supérieurs à certains jeux de maintenant. Et parfois même supérieurs à les effets de lumière dans la vraie vie, qui sont toujours plus décevants et moins impressionnants que ceux qu'on a dans Silent Hill 3. Oui, et même, comme on le disait, Douglas est plus beau que les vrais humains, il est mieux fait que les vrais humains. C'est tellement chelou. Le moteur graphique où les choses sont plus belles que dans la vraie vie. Oui, belle, enfin c'est pas le mot, mais oui. En tout cas bien impressionnant avec une bonne gueule. Et il y a un autre point fort donc qui participe de l'ambiance de ce jeu, c'est les portes. Les portes sont super bien faites. Les portes et les effets sonores et la bande son en général. De Akira Yamaoka, donc on le répétera jamais assez, le génie du jeu vidéo. Qui est d'ailleurs une véritable star au Japon. De toute façon, on en a déjà parlé dans les autres vidéos sur Silent Hill 1, Silent Hill 2, et même le Homecoming. Donc on ne le répétera jamais assez. Donc il contribue énormément, si ce n'est 50% de l'ambiance du jeu, si ce n'est plus. Et lui, alors, il fait la bande-son avec des sons torturés. En fait, il alterne souvent entre les musiques mélancoliques, qui cette fois, il est accompagné d'une chanteuse. C'est pas parce qu'il s'appuie quelquefois sur des chansons parfois magnifiques. Et là, ça renforce le côté mélancolique du jeu, de l'histoire des heures et des autres personnages. Et le jeu alterne donc, comme d'habitude, lors des moments d'action ou de frissons, des musiques torturées avec des bruits genre... Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, et donc c'est encore une bande-son de malade mental, voilà. Et ouais, sinon le jeu, celui-là je pense que c'est l'épisode qui offre le plus de bonnes idées au niveau de la mise en scène, genre je peux pas spoiler, mais il y a beaucoup, énormément de passages cultes, rien que dans la mise en scène et dans l'idée où tu dis, non c'était mortel comme idée, enfin de flip. Ouais, et du coup, c'est l'un des meilleurs survival horror de tous les temps. Même si, à mon avis, il reste
par son scénario peut-être un peu moins bien que celui du 2, légèrement, mais très 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 très, très, très légèrement, en deçà de Silent Hill 2, à mon avis. Ouais, même s'il reste... Mais en même temps, Silent Hill 2, il est tellement dur à battre, mais le 3 reste quand même le meilleur jeu de tous les temps. Voilà. Et non, c'est d'ailleurs, alors là, je me suis à chaque fois dit, ce qui est ouf avec les héros de Survival Wars, c'est qu'ils trouvent plein d'objets, ils se disent, bon, je le prends au cas où, ça peut me servir plus tard. Genre là, le cintre, ou même, je sais qu'après, bah, je retrouve une noix. Tu dis, bon, je vais prendre la noix, hein, pourquoi pas, on sait jamais. Alors que il y a d'autres objets qui paraissent plus utiles, c'est qui sont modélisés et qu'on ne peut jamais prendre. Donc, mais ce qui est normal, bien sûr, mais c'est toujours amusant de voir. De voir les failles systématiques du jeu vidéo, enfin, même si on sait qu'elles sont normales, tu vois, parce qu'elles sont bien placées, parce qu'on peut pas tout prendre, ce serait trop énorme. On voit encore le truc qu'on a dans tous les Silent Hill, des objets qui devraient pas être à l'endroit où ils sont, donc là on a ces lits d'hôpital qui n'ont rien à foutre ici. On retrouve dans la majorité des épisodes, c'est que c'est presque les mascottes avec les chaises roulantes. Les chaises roulantes qu'on retrouve aussi dans tous les épisodes, c'est les fameuses chaises roulantes vides. D'ailleurs, le jeu avec l'espion s'est baladé en pleine nuit dans Paris, parce qu'on pouvait plus rentrer. Il n'y avait plus de train et on se baladait comme des couillons dans les rues de Paris. Et à un moment, on arrivait dans une rue glauque et il y avait une seule source de lumière, une toute petite source de lumière, et devant une porte, une chaise roulante vide. Et puis bon, on s'est dit, putain, c'est exactement comme dans Silent Hill. Oui, c'était très flippant, on se serait vraiment cru dans un Silent Hill avec une ambiance un peu glauque, surtout qu'il n'y avait personne dans la rue, c'était très bizarre. C'était un clochard justement qui dormait à côté. Oui, mais il y avait personne qui bougeait en fait dans la rue. C'était... D'ailleurs, on a pris une barre de fer, on a défoncé le mec croyant que c'était un monstre. Oui. Oui, bah. C'est très horrible. Oui, je m'en souviens. Ce qui est d'ailleurs. Non. Ce qui est d'ailleurs, oui. une noix, on a la noix, voilà, je viens d'avoir. Et oui, voilà, et elle chope la javel, etc. Oh, putain, je m'en souviens de ce passage. Enfin, non, mais. Parce qu'à chaque fois que je repense à le jeu, je repense à la canicule. Et comme en plus aujourd'hui il fait très chaud, ça m'évoque cette époque-là où il faisait très chaud et j'habitais au 5e et tout. Enfin, donc voilà, donc et en plus Heather, elle est quand même couillue. En plus, ce qui est marrant avec Heather, au niveau de sa personnalité, c'est qu'elle est à la fois sérieuse et de temps en temps, parce que je crois qu'elle a que 17 ans, un truc comme ça, genre elle paraît plus mûre et tout, mais de temps en temps, elle a des petites mimiques de visage d'ado, genre. Enfin, non, mais c'est genre, je m'en souviens de quelques passages où elle parle avec Douglas ou Vincent et elle est de très. Très petite, enfin de très courts instants, genre elle aborde genre un petit visage plus enfantin. Oui, elle est instable. Oui, elle est instable comme tous les héros, enfin comme tous les personnages de Silent Hill. Oui, oui, comme tous les enfants. Oui. T'es instable. Et on parle, mais pour ceux qui n'ont pas vu les deux précédentes vidéos ou qui n'ont jamais joué à Silent Hill de leur vie, on peut rappeler quand même que le jeu fait quand même la part belle à l'exploration. Et parce qu'on disait que c'était dans des couloirs le jeu, mais bon, c'est pas totalement vrai parce qu'il faut quand même souvent faire des allers-retours, se balader dans des grands environnements en 3D pour essayer vraiment de faire progresser l'histoire et d'avancer. Donc finalement, c'est faussement linéaire parce que bon, il y a des choses à faire dans le bon ordre, mais finalement, on sait pas téléphoner quoi. On doit quand même réfléchir et essayer de se démerder par soi-même dans des environnements qui sont parfois, mine de rien, assez grands. Et, ouais, et là on peut voir aussi le système de combat, si je peux appeler ça. D'ailleurs vous avez vu que c'est la première fois que je me bastonne, donc pour vous montrer que c'est pas le principal intérêt des Silent Hill et même en général des Survival Horror. Donc on peut voir, ce qu'on reproche souvent au Survival Horror, c'est le côté rigide dans les déplacements, même si de toute façon on s'en bat un peu les couilles parce que c'est souvent pas... Au pire, la bonne excuse, c'est de dire que ça accentue le caractère flippant et ça nous fait stresser encore plus. Voilà. Oui, voilà. Donc là, on va voir. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un peu rigide. Enfin, je sais que à certains moments, avec certains angles de caméra un peu pas évidents, où on doit courir pour slalomer entre les monstres et qu'en plus sur le côté il y a un précipice où si tu cours dedans, tu te casses la gueule. Il y a des petits moments qui peuvent être frustrants, mais bon, ça reste très 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 rare. Et donc finalement, bon, on s'habitue à la maniabilité, surtout si on a fait les deux précédents Silent Hill. Finalement, on n'est pas trop dépaysé. Aussi que Heather a le même, est habillé presque pareil que Michael J. Fox dans Retour vers le futur. C'est un blouson bombardier sans manches, caractéristique qui nous fait penser aux années 80-90. Et la mini-jupe de Retour vers le futur de Michael J. Fox. Salut Marty. Non, parce que vous êtes pas... Oui, effectivement, on pensait à ça. Et on peut voir le premier boss du jeu avec une musique qui faisait flipper Twinnie, parce que pendant la capture, je sais qu'il y avait Twinnie qui était là, il faisait « Non putain, je trouve ça flippant là. » Parce que lui en fait apprécie Silent Hill, mais de loin, parce qu'il trouve ça flippant, enfin
trop flippant pour lui. Voilà le monstre immonde qui ressemble à rien. Et je me dis toujours, putain, mais les héros des jeux vidéo, et surtout Heather qui est très jeune, je me dis, mais elle revient de cet enfer, bah, elle va forcément voir un psychologue, enfin même un psychiatre. Et je pense que, ouais, non, elle doit pleurer souvent le soir. C'est obligé, parce que souvent, on ne pense jamais à ce qui se passe après. C'est pas un genre ultérieurement pour ces personnages de jeux vidéo et notamment Survival Horror. Et là, pour Heather, on se dit putain, mais elle va péter un câble après. Elle est obligée, bah, genre, si elle revient à son. Genre à l'école, si jamais elle fait encore des études, bah, elle pourra se dire putain, je viens de défoncer des monstres. C'est genre espèce de chien avec une gueule fendue en deux. C'était monstrueux. Après, les gens ils font bah, mytho. Alors, c'est tellement vrai. C'est casse-couille. Sa vie elle est foirée. Et bah tiens, tu parles de ce qui se passe après. Bah, ce qui se passe après, ça tombe bien parce que ça, ce qui passe après en fait dépend de ce que tu fais pendant le jeu, puisqu'il y a encore une fois plusieurs fins. Oui, il y a plusieurs fins, exactement. Encore que il y a moins plusieurs fins dans celui-là que dans le précédent. Oui, voilà, et t'as également la petite fin à la con, OVNI, un peu chelou, comique, que vous retrouvez dans cet épisode-là, et comme dans tous les épisodes de Silent Hill. Alors là, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun spoiler, parce que j'ai fait exprès de monter la scène en fonction à ce qu'on à ce qu'aucun élément du scénario ne filtre vraiment. Donc rassurez-vous, il n'y a aucun spoiler. Là. Parce que Homo Gaspi Show, on pense avant tout au plaisir des joueurs qui n'ont pas forcément joué au jeu et on évite de spoiler comme certains le font. Donc voilà. Et aussi le doublage très convaincant et surtout les animations de bâtards durant les scènes cinématiques, parce que comme pour les autres épisodes, il y a la motion capture qui est là, qui est présente et qui est super bien amenée. Et dans cet épisode-là, on retrouve, voilà, là on passe dans le métro et c'est un clin d'œil à le film L'échelle de Jacob, parce qu'on retrouve la station de métro Bergen Street qu'on voit à un moment, bah, dans, en fait au début du film L'échelle de Jacob, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film réalisé par Adrian Lyne avec Tim Robbins, sorti au début des années 90, qui est en fait une source d'inspiration majeure pour le film, pour la série de jeux Silent Hill. Et dans cette station, au début, le héros voit des espèces d'apparitions, enfin de monstres chelous, dans une station de métro new-yorkaise, enfin que je sais même pas si elle existe d'ailleurs, qui s'appelle Bergen Street, et on retrouve une station qui s'appelle Bergen Street dans Silent Hill 3, donc c'est un clin d'œil direct à L'échelle de Jacob. Qui est magnifique, donc c'est un des meilleurs films de tous les temps, qu'on a kiffé. Oui, c'est le meilleur film de tous les temps, et voilà, comme Silent Hill 3, qui est le meilleur jeu de tous les temps. Et non, franchement, d'ailleurs, toi, t'avais bien kiffé le niveau du métro. Ouais, parce que bah, le métro, finalement, ça nous renvoie un peu à ce qu'on fait tous les jours. Enfin, tous les jours, on prend le métro comme des cons. Et c'est vrai que la nuit, le métro, quand on traverse les couloirs du métro, il y a toujours un imaginaire flippant derrière ça. Et comme là, en plus, bah, c'est Silent Hill, vous imaginez comment ils ont traité la chose. Et bah, franchement, c'est assez... ça fait assez peur, voilà, ça fait assez peur. Parce que ce qui fait peur, c'est les éléments de la vie de tous les jours placés dans un contexte glauque qui effraie surtout les gens. C'est les choses, d'accord. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on retrouve souvent le même genre de lieu, finalement, bah, l'hôpital, le métro, bah, qu'on avait dans Condemned, par exemple, sur 360. Enfin, on retrouve souvent dans ce genre de jeu les mêmes lieux qui sont très flippants, en fait, parce qu'il y a un imaginaire flippant derrière ce genre de lieu. L'envers du décor, le métro, la nuit, à l'abandon, qu'est-ce que ça donne? Ça nous fait toujours un peu peur. Et nous aussi, on a visité aussi un donjon qui faisait penser à Silent Hill et Condemned il n'y a pas longtemps. Voilà. Et la petite pub. Oui, bon, on n'a pas trop le temps de parler. On n'a pas le temps d'en parler, mais on vous en parlera plus tard. Voilà. Et oui, voilà. Et là, on retrouve un fusil dans un paquet cadeau, donc c'est un petit gag visuel sympa. Et juste après, là, je vais vous spoiler l'ennemi, mais on va voir le bibendum Michelin qu'on peut défoncer et qui faisait super peur. Ouais, il était bien flippant, bien gras, bouffi de graisse et de sang, et énorme. Et mine de rien, finalement, il était des fois étrangement rapide dans certaines de ses actions. Par exemple, quand il nous fonce dessus, et il est dégueu, donc voilà. Donc là, je vais te défoncer. Imagine, il parlerait les ennemis. Et donc là, comme tu flippes, tu prends le shotgun pour pouvoir bien le défoncer. Parce qu'avec le petit gun, finalement, eux, ils sont très voilà, résistants. Et Heather, elle pourra se vanter auprès de ses amis de savoir utiliser un fusil sur des monstres. Parce qu'elle sait utiliser genre des guns, après genre des barres de fer, même un sabre laser une fois que tu recommences le jeu, enfin, c'est jamais tu l'as. Et donc ce qui fait que ça va la forger, je pense que son expérience dans le jeu va la forger. Elle peut l'écrire sur son CV, je pense, parce que ça montre qu'elle a du cran, quoi. Oui, et je pense qu'elle, et elle, genre, sur Facebook, Heather, sur Facebook, elle le dit.
Oui, j'ai buté des trucs, des créatures. Et surtout, je pense qu'elle, passer genre un entretien d'embauche, elle doit s'en battre les couilles après. Pour elle, ça doit pas être stressant du tout. Je pense qu'après, ça la forge dans son caractère, c'est grillé. Parce que avoir buté des choses cheloues et tout. Oui, ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, madame. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, madame. Et donc voilà, non, franchement, Silent Hill 3, s'il reste dans la lignée des autres, excellent. Et de toute façon, on se retrouvera plus tard. Quand on... Aujourd'hui, bien évidemment, sur le marché de l'occasion, une bouchée de pain. Et il fait également partie de la collection, qui est un peu plus dure à trouver par contre, Silent Hill Collection, donc qui comprend Silent Hill 2, 3 et 4 sur PS2. Donc voilà. Achète, achète.